histoire entre une personne qui est habitée par son art, le chef d'orchestre, et qui est en même temps habitée par un lieu qui est Bangkok. Et la synthèse des deux, finalement, c'est ce bâtiment. Donc la musique, elle est un peu en parallèle avec, avec cette architecture. Donc moi, à partir de là, je me dis, il y a un travail, il faut apporter le côté classique. Donc au studio, justement, on travaille ça, le studio est fait pour ça. On enregistre des instruments acoustiques. Donc là, l'idée est de travailler avec des cordes et du piano. Après, il fallait y associer, y mélanger de la musique synthétique, on va dire de la musique électronique. Et c'est ce mélange-là où le challenge, il est là, le mélange entre les deux. Le but, c'est d'essayer de créer une unité entre deux mondes qui sont complètement opposés et d'arriver à donner un côté vivant à ce qui est, tout ce qui est électronique. Et ça, on travaille plus avec des réverbes à convolution, des choses comme ça qui nous permettent de donner l'impression que tout ce qui est joué dans un même lieu et que toutes les personnes ont joué ensemble. L'avantage de travailler avec un studio, c'est qu'il y a une approche globale de la bande-son qui est hyper intéressante et qui, pour moi, est un gage de réussite et de qualité derrière, quoi. Alors, le travail de composition était là autour d'une évolution et d'une harmonique. L'idée, c'était vraiment de travailler sur l'évolution harmonique pour l'émotion. The emotions are indescribable. I often try to explain the shiver running down my spine, but words are not enough. On n'est vraiment pas que sur de la musique au niveau de ce projet. On a une voix off qui est très présente. Elle a été même, je dirais, au cœur de la conception, puisqu'on a même commencé par enregistrer la voix témoin avant même le début de la composition de la musique, poser la voix témoin qui est vraiment structurante sur notre film et construire tout ça à partir de là. Living in Mahanakone, living in a work of art. Quand j'ai découvert le mixage final, quand j'ai découvert le travail qui avait été réalisé par Pierre, on a la satisfaction de se dire qu'on a réussi initialement d'une discussion autour d'une table avec le producteur, le réalisateur, le client, l'ingénieur du son et moi-même, parce qu'il y a un aspect très théorique, à avoir l'émotion, à retranscrire l'émotion qu'on avait imaginée. J'ai été touché par la musique quand je l'ai vu avec le film. Ça m'a apporté quelque chose que je n'avais pas avec les musiques qu'on a utilisées au départ pour avancer sur le montage. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir un quatuor à cordes dans un studio d'enregistrement pour faire une musique de film, dans le film de commande. Et on était particulièrement fiers de pouvoir faire ça sur ce projet.